Bonjour à tous, bonjour à toutes, marhaba bikoum fi vidéo jdide mouajjaha djma'at el bac, bac science, bac maths, bac technique, bac toute section. اليوم ان شاء الله باش نعملو اكزرسيس اناليز كيما تراو معايا فيه لوغاريتم نيبريان انتغرال اي سويت. بون نقدم لكم روحي وسلاتي ايمن. جو بروبوز دو كور ا ديستانس. نعمل بكور ا ديستانس، تبدا في الدار وتبعث لك جيست اليان ونقريك عبارة بجنبك تراني شنو نكتب، نشوف كيفاش نحكو مع بعضنا ونشوف كيفاش تكتب مزادة. بون اللي يحب يقرا ينجم يتصل بيا على الرقم هذا 27 677 27. فما تلامذة ضعاف مثل عندهم إشكالية في الرياضيات، سبحان الله فما تلميذ ضعيف. مثال يحب يقرا وحده ولا كان هو صاحب، مثال نولي نقري كان هو وحده اديستانس، نعمل له ساعتين نفسر له كل شيء من الاخر بالفلاق الحمد لله. واللي يحب يقرا اون جروب يبدا ذكي، مثال يقرا اون جروب، الجروب ما يفوتش 4 تلامذة 5 تلامذة باش يفهموا بالكدا ونزربوا في الخير. باهي نقراو نتعداو تو نقراو الاكزرسيس مع بعض. بريمير بارتي. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x plus 1 plus ln de x. Petit a étudie les variations de g, justifie que g est une bijection de 0 plus l'infini sur R. On déduit que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution, bêta, bêta près 0,28, étudier le signe de g. Deuxièmement, petit a, donner une interprétation graphique de l'intégrale i. L'intégrale 0 entre 0 et 1 sur E de g de x, montrer que i égale 1 sur 2e carré moins 1 sur E plus bêta au carré sur E. Les courbes C2, troisièmement, les courbes CG et CG moins 1 sont représentées ci-dessous. On désigne par S l'aire de la partie jaune. Écrire S à l'aide d'une intégrale, montrer que S égale 2 sur E moins 2 bêta moins bêta au carré unité D. نبداو في الكوركسيون. بون كيستيون الاول اتيدي لو فارياسيون دو جي. Petit a, petit a. G de x, g est une fonction définie sur l'ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à x plus 1 plus ln de x. Nous avons ici g dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et on a g' de x, c'est la dérivée de la fonction x plus 1 plus ln de x. La dérivée de x1 1 constant dérivé de 0, c'est 1 plus 1 sur x. Comme x dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors g' strictement positif. Comme g' strictement positif, on va étudier les variations de g, malgré ma construction de la table, sans dresser le tableau de variation, juste n'écoute. Ainsi, G est strictement croissante. G est strictement croissante sur 0 plus l'infini.
Ben. Bon, je dois dresser le tableau de variation. Tout d'abord, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus et la limite lorsque x tend vers plus d'infini. Limite lorsque x tend vers 0 plus. De g de x, autrement de x plus 1 plus ln de x. Hedi, x plus 1 hedi kol tend vers 1. Ou ln de x lorsque x tend vers 0 plus tend vers moins l'infini. 1 moins l'infini égale moins l'infini. Maintenant, limite lorsque x tend vers plus l'infini. De x plus 1 plus ln de x. Bon, head plus l'infini. Ou head. Et théorème formule directe du cours, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Ainsi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g égale plus l'infini. Donc, je vais dresser le tableau de variation. C'est une fonction strictement croissante. Alors ici, nous avons le x. N'oubliez pas les deux barres, puisque la fonction n'est pas définie en 0, même n'est pas dérivable. Ici, nous avons le g prime. Ici, nous avons le g prime positif. Ici, 0, ici, plus l'infini. Nous avons vu que la limite en 0, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on passe étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Étudier, je dois calculer la limite lorsque x à droite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, petit b. Ah, désolé, désolé, قال لي petit b هاي désolé, انا قريت البارتي c. Petit b justifie que g est une bijection de 0 plus l'infini sur R. Nous avons que g
Nous avons vu que g est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur g de 0 plus l'infini. Mais man kammel, g de 0 plus l'infini, elle man chouf g continue pour déterminer l'image de 0 plus l'infini. Comme g continue, comme il tend, continue sur 0 plus l'infini, alors g de 0 plus l'infini est un intervalle. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Voilà, comme g est strictement croissante, donc c'est un intervalle de même nature. Voilà, et que finir pour g continue. Et strictement. Croissante. Sur 0 plus l'infini. Donc, je réalise, ou bien donc j'ai une bijection. Donc, je réalise une bijection. De 0 plus l'infini sur g de 0 plus l'infini. Comme elle est strictement croissante, c'est un intervalle de même nature. Nous avons vu que la limite lorsque x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Bon, on a réservé un accroche. Quand il justifie que j'ai réalisé une projection de 0 plus l'infini sur R, on déduit que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution bêta. Bon, on déduit que g de x égale 0 admet une unique solution bêta. لهنا هذا اللي هو A ديريكتومون لهنا C 0 appartient à R 0 appartient à R donc g de x égale 0 donc l'équation g de x égale 0 admet ou bien possède une unique solution bêta. Admet une unique solution. Admet une unique solution. Bêta, bien sûr, bêta fait l'intervalle 0 plus l'infini. B. Sur les bandes. Étudier le signe de G. Étudier le signe de G. Rakzumal. Ici, nous avons le bêta. C'est le bêta. Nous avons le 0 ici. Voilà. C'est 0 bêta, la fonction négative. Comme G est une fonction croissante. Bêta plus l'infini, la fonction G est positive. Colonne pour X.
pour x supérieur ou égal à bêta, nous avons, comme g est une fonction croissante, g de x supérieur ou égal à g de bêta. Elle est si x supérieur à bêta, pour x supérieur à bêta, g est positif, la fonction g. Bon, maintenant, pour x inférieur ou égal à bêta, g de x négatif. Maintenant, je vais dresser le tableau de signes de la fonction g. X, le g s'annule en bêta. Ici nous avons 0, ici nous avons plus l'infini. Plus 0 bêta, autrement x inférieur à bêta, lorsque x inférieur à bêta, le g est négatif. Bêta plus l'infini, le g est positif. Ainsi, nous avons déterminé le signe de g de x. Question les Libado. Deuxièmement, petit a. Donner une interprétation graphique de l'intégrale i égale l'intégrale bêta entre bêta et 1 sur e de g de x. Bon. Deuxièmement, petit a, i égale l'intégrale entre bêta et 1 sur e gx dx. Remarquons que g de x est une fonction positive, quel que soit x appartient à l'intervalle bêta 1 sur e. Remarquons aussi que i, je peux écrire i comme ça, l'intégrale entre 1 sur bêta, valeur absolue de g de x moins 0 dx. Par définition, comme g est positif, donc c'est lui-même. Il nous reste g de x. Par définition, c'est l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe de g, puisqu'on a g. Et l'axe des abscisses est le niveau d'équation y égale à 0. Okay. Y égale à 0, g. Et les droites d'équation x égale à bêta, x égale à 1 sur e. Donc, c'est l'aire de la partie du plan délimitée. Bon, alors, i, le réel i, est l'aire
de la partie du plan délimité délimité par la courbe G de G, la courbe de la fonction G et l'axe des abscisses et les droites d'équation. L'équation je te marque x égale 1 sur e et x égale bêta. Hakan kun jawab al petit a. Maintenant petit b, alors montrer que i égale 1 sur 2 e au carré moins 1 sur e plus bêta au carré sur 2. Ben il a là bon i égale l'intégrale entre bêta et 1 sur e de g de x et g de x c'est x plus 1 plus ln de x. Dx égale la primitive de x, c'est x puissance 2 sur 2. La primitive de 1, c'est x. La primitive de ln de x, la primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Entre bêta et 1 sur e. On remplace maintenant par 1 sur e, on trouve 1 demi e puissance 2 plus 1 sur e plus 1 sur e ln de 1 sur e moins 1 sur e. هذا الكل هيك موان هذا الكل اون بيتا اللي هو بيتا او كاري سور دو بلس بيتا بلس بيتا الين دو بيتا موان بيتا ايغال bon 1 sur 2 e au carré moins 1 sur e bon moins 1 sur e 1 sur e bish bon, 1 sur E, ln de 1 sur E, et moins ln de E, ou moins heavy, et moins ln de E, ln de E, il y a 1. A t heavy moins 1 sur E, à la décrétive, moins 1 sur E. Bon, moins, bon, heavy, bichik maha. ln de bêta, ben, rekizum haï, ahna narfu unu g de bêta égale à 0, bichik de balena. Bon.
Ah, on sait que g du bêta égale à 0. G du bêta est bêta plus 1 plus ln du bêta. Ainsi, est égal à 0. Donc, ln du bêta est moins bêta moins 1. ln du bêta est moins 1 moins bêta. Voilà. Maintenant, et moins 1 moins bêta. Puisque g du bêta égale à 0, bêta plus 1 plus ln du bêta égale 0, ln du bêta égale moins 1 moins bêta. Bêta fois moins 1 c'est moins bêta, moins bêta. J'ai oublié le signe moins. Moins bêta au carré sur 2. Et de moins bêta avec signe moins sera plus bêta. Et de moins bêta carré doit être plus bêta au carré. Égal. Avec qui marquite 1 sur 2 au carré. Moins 1 sur E. Plus bêta. Ou bêta au carré moins bêta au carré sur 2. Et bêta au carré sur 2. Égal 1 sur 2. E puissance 2 moins 1 sur E. Et bêta au carré moins bêta au carré sur 2, c'est bêta au carré sur 2. Plus bêta. Qui m'a pris la. Voilà que j'ai oublié à deuxième petit B. Troisième question 3. Et. Je n'ai que ma partie concernant la question 3. Un très bon question. Bon, question 3. Les courbes C de G et C de G moins 1 sont représentées ci-dessous. On désigne par S l'aire de la partie jaune. Écrire S à l'aide d'une intégrale. Montrer que S égale 2 sur E moins 2 bêta moins bêta puissance 2 unité d'air. Ben. شوف الرسم بتاعنا قال إكرير S على دي الانتجرال S هو الاير دي لابارتي روزا فكرة مش لابارتي جون ب شني كتبته قلت سواء أبري الاير دي لابارتي دي بلان أبري الاير دي لابارتي دي بلان دي ليميتي بار لكورب دي جي موانزان أو الكورب دي جي موانزان هيد هيد لكورب دي جي موانزان y égale à x, ça y égale à x, et les droits d'équation x égale à 0, et x égale à 1 sur e, ah, y, 1 sur e. X égale à 1 sur e, bon. Maintenant, l'air de la partie du plan délimité par la courbe de g moins 1, y égale à x égale à 0, et x égale à 1 sur e. Par raison de symétrie axiale, ça y égale à donc, pour trouver la pour de trouver l'air S, on multiplie le A' par 2. Ou le A', par définition, A', l'air de la partie du plan délimité par la courbe de G-1, la droite d'Y égale à X, et la droite X égale 0, X égale 1, 1 sur E, et l'intégrale entre 0 et 1 sur E de G-1 moins X. Alors, je G-1 moins X, mais je X moins G-1. G moins 1 de x moins x et nous mahatich x moins g moins 1 de x puisque le g moins 1, la courbe de g moins 1 est au-dessus de la droite delta d'équation y égale à x. Alors le g moins 1 de x moins x est positif. Voilà. Ben, donc. S égale 2 fois A prime, avec par exemple de symétrie, on a cette partie head et hill A prime, par exemple de symétrie axiale par rapport à delta, on a S égale 2 fois A prime, égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 sur E du jeu moins 1 de x moins x dx. A prime l'air de la partie du plan délimité par la courbe de G moins 1, delta Y égale à X, les droites d'équation X égale 0, X égale 1 sur E, par exemple symétrie axiale par rapport à delta, on a S égale 2 fois A prime.
ابرين هذيك اللي حكيت عليها هي البارتي هذه فوق هذه ريد Mais maintenant, montrer que S égale 2 sur E moins 2 petit b. Montrer que S égale 2 sur E moins 2 bêta moins bêta au carré. Bon, je veux calculer. Désolé. Bon. Je vais calculer l'aire du triangle OAH. Puis, notons par exemple, bon, A prime, bon, A seconde, l'aire du triangle AOH. Bad, après, nous avons ici la partie Hedi, l'autre. Et c'est l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe de G et les segments OA et OB. Et dès que ça met à. Bon, ça met par exemple à 1 ou à seconde. En bas, on a l'aire du triangle OAH moins la A1. نعم الليل دي لتريونجل O A H موان الليل دو بارتي هذي اللي هي الليل دي لبارتي دي بلان دي لميتي بار لا كورب دي جي اللي دروا دي كواسيون Y إيقال 0 اي X إيقال Beta et x égale 1 sur e, il y a un assemblé. L'air du parti noir, il y a un assemblé. Qui n'a pas l'air de triangle OAH, l'air de parti, qui n'a pas le parti, fois 2, n'a pas le S. Fantôme, il y a un assemblé. أول حاجة بون التروازيام مومبي جو في كالكيلي لير دي تريونجل أو هاش ستان تريونجل ريكتونجل أون هاش دونك هو أ هاش فوا أو هاش سور دو أ هاش فوا أو هاش سور دو الأ هاش Bon, l'AH, avec l'AH, l'AH d'abscisse 1 sur E, donc la distance, bon, tout d'abord, ça marche, l'AH, l'AH, le projectif de A, sur l'axe des abscisses. Bon, A est un point de la droite delta d'équation Y égale à X d'abscisse 1 sur E, alors l'ordonnée de A, 1 sur E, alors AH égale 1 sur E, puisque l'ordonnée de A 1 sur E. Bon. Fois OH. De même, l'abscisse de H, 1 sur E. Alors, la distance OH, 1 sur E. Divisé par 2 égale 1 sur 2 fois E au carré. Ben, bad. Soit. A1, l'air de la partie du plan délimité. L'aire de la partie du plan délimité par la courbe de G et les segments comme on compte les segments OA et OB. Bon. Maintenant, A1.
LA1 égale, il y a A' écrit, A1 égale l'aire du triangle OAH. Moins l'aire de la partie de plan délimitée par la courbe de G et le droit d'équation y égale 0, x égale 1 sur e, x égale bêta, il y a l'aire du triangle OAH, il y a 1 sur 2 fois e au carré, il y a حسبناه بكري الله عوينو ال اي هيك 1 سر 2 او كاري موان 1 سر او بلس بيتا بلس بيتا او كاري سر 2 1 سر 2 او كاري موان 1 سر او بلس بيتا بلس بيتا او كاري سر 2 1 سر او او كاري 1 سر او او كاري موان 1 سر او plus bêta, plus bêta au carré sur 2. Bon. Égal. Bon, hedi bishnaha. Bon, hedi. Moins moins sera 1 sur e. Moins bêta au carré sur 2. Ainsi, le S, il y a, il y a, 2 fois A1, c'est le tau, 2 fois A1, il y a 2 sur E, moins 2 bêta, moins bêta au carré, unité d'air. هذه الاس لير بتاعنا فهمتوا كيفاش حسبناه ان شاء الله تكونوا فهمتوا البارتي الاخرى حاولوا تعودوها حاولت نفسر باش نوصل المعلومة ان شاء الله المرة الجاية كان نلقى تفاعل من عندكم نكمل نصلح لكم البارتي الثانية هذه البارتي 2 اللي هي زادة بارتي طيارة على الاخر عجبتني وكما قلت لكم بارتاجوا الفيديو وخلي الناس الكل تستفاد اعملوا ابوني للشان باش كي نصلح البارتي الثانيه توصلكم نوتيفيكاسيون واللي حاب يقرا وحده اون ليني ديسونس نجم نقريه ديجا حكيت من اول الفيديو ان شاء الله تلقاونا مرويه اسفل الفيديو ما يفهمش حاجه يسالني الى اللقاء في حصه قادمه